Good morning! Allez, Iden et Tusra aujourd'hui, le Lunish Matri Sharon Ben Fortune Mazal, Claude Israq Ben Fortune Mazal et Robert Baruch Ben Jamil Tarab Akohen. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechen Bet, Saperek Aleph Mishnah Bet. Achochet Chaya Va'of, Beyom Tov, Bet Shamayomrim Yachpor, Bat Deker Vichase, Bet Yelomrim Lo Yishfot, Elaim Ken Hayalo Afar Mouchan Mibéod Yom. Ou Modim Sheim Shachat, Yachpor, Bat Deker Vichase, Shefer Kira Mouchanou. On continue à découvrir l'alakhot de Yom Tov, mais spécifique où il y a Bet Shammai qui est plus Mekel, plus permissif que Bet Hillel. C'était le premier sujet avec Bet Shammai Yom Tov qu'on avait appris hier. Et maintenant, on avait évoqué aussi une deuxième marloquette à propos de la quantité du Chametz et du Pessah, de l'interdit de posséder du Chametz ou du Séor, du levain. Maintenant, la troisième marloquette, c'est celui qui fait la shchita à une chaya va'of, un animal sauvage, pas domestique, cachère, ça peut être un cerf, et bien, ou un off, une volaille, be'yom tov pendant yom tov. C'est quoi l'histoire, de quoi ça parle, c'est très simple. Mitzvat kisui adam, vous savez c'est quoi? Lorsqu'on fait la shchita d'un animal, alors si c'est un animal domestique, un bovin, un ovin, vache, mouton, on fait la shrita et c'est tout, il n'y a pas de. L'animal il est cachère. Pour les animaux, pour les chaya va'of, les animaux sauvages et off, on a une mitzvah supplémentaire de recouvrir leur sang. Le sang, le premier sang qui est tombé par terre, il faut prendre de la terre ou le mettre dessus ou encore prendre de la cendre et le recouvrir. Ça, c'est la halakha d'abord, c'est la mitzvah de kisui yadam. La Mishnah m'enseigne maintenant, me rend dans une problématique. Lorsque je fais la shrita pendant Shabbat, pendant Yom Tov, à Yom Tov, on a le droit de faire la shrita pour manger de la viande fraîche. Surtout à l'époque, il n'y avait pas de frigidaire, pas de congélateur. Vous imaginez bien, pour avoir de la viande fraîche, surtout pendant 2 jours de Rosh Hashanah ou que ça tombe après Shabbat, l'unique moyen de manger de la viande fraîche, c'est de faire la shrita pendant Yom Tov, quand même, pas de doute. Maintenant, lorsqu'on fait la shrita, alors tu fais la shrita d'un veau, aucun problème, mais tu fais la shrita d'un poulet, d'une volaille ou d'une chaya. Et il y a un, techniquement, maintenant tu dois recouvrir leur sang. Alors, l'idéal, c'est si tu as de la terre prête et qui a déjà été, qui est de la terre, du sable, ou même de la terre qui a déjà été, à partir, qui est déjà bien, qui est déjà effritée, alors là c'est l'idéal, tu l'as déjà préparé, tu l'utilises, tu recouvres. Mais si toutefois tu n'as pas de la terre préparée, ou encore tu as de la terre que tu n'as pas effritée, alors premièrement, pendant Yom Tov, on n'a pas le droit d'effriter de la terre. Comme pendant Shabbat, il y a un interdit de tochen, de moudre. On n'a pas le droit de moudre, et même pour recouvrir le sang, on n'a pas le droit de le faire. Donc, premièrement, je vous le dis d'avance, sans rentrer dans la Mishnah, si vous n'avez pas de terre effritée, vous n'avez pas le droit de faire la shrita de l'animal, parce qu'une fois que vous aurez fait la shrita, vous ne pourrez pas recouvrir son sang. Vous voyez, pour les chaya va'of. Ça, c'est admis d'après tout le monde. Si vous n'avez pas de terre qui est déjà effritée, vous n'avez pas le droit de le faire. Maintenant, on parle dans notre Mishnah que tu as de la terre effritée. Mais que tu n'as pas désigné, elle est encore plantée par terre. Soit, tu avais par exemple un tas de sable, c'était fréquent à l'époque d'ailleurs, quand ils avaient dans leur maison, là où ils habitaient, il y avait de la terre battue par terre, c'était fréquent qu'ils avaient du sable prêt à, du sable, de la terre déjà ramollie, prête à recouvrir certains trous. Si toutefois il y avait une saleté par terre, il y avait un enfant qui faisait par terre, il n'y avait pas de couche à l'époque jetable, vous imaginez. Donc ils avaient de la terre qui était souvent prête. Maintenant, il y a des fois où la terre elle n'est pas prête à être éparpillée, mais la terre, elle est déjà, on a déjà planté un pieu dans la terre, et il ne manque plus qu'à le lever. On parle maintenant qu'on a planté le pieu dans une terre qui était déjà molle, et l'unique question de la problématique de notre mission, en fait, la marque de Benjamin Mithilel, est de savoir si le pieu il est déjà planté, est-ce qu'il y a un interdit de le lever ou pas? A priori. A posteriori, si tu as déjà fait la shrita, tout le monde est d'accord, tu as déjà fait la shrita, tu as le droit de recouvrir le sang avec le pieu qui est planté. Mais tant que tu n'as pas fait la shrita, est-ce qu'a priori on va te permettre de lever le pieu ou pas? D'accord? Alors regarde dans les mots comment ça se passe. A shochet chaya va'of be'yom tov. Celui qui fait la shrita de chaya, donc d'un animal sauvage, d'un cerf, ou d'un off, d'une volaille pendant yom tov, donc qui doit faire la kisui adam. Bet Shamay Omrim, Bet Shamay nous disent, Yachpor Badeker Vechase. Il manque une petite introduction. Celui qui vient vous poser la question, est-ce qu'il a le droit de le faire? Alors Bet Shamay nous dit, il n'y a pas de problème.
tu pourras creuser avec ton pieu, en fait, qui est déjà planté, le soulever, le mettre, puisque la terre, elle est déjà effritée, et que tu as déjà planté ton pieu avant Shabbat, ça s'appelle que tu as déjà désigné que cette terre, maintenant, elle est apte à être éparpillée dessus, il n'y a plus d'interdit de moukté. D'accord? Et ça, c'est pour Beth Shammai. Yachpor bat de ker vechassé, donc littéralement, il va creuser avec le pieu, et il va recouvrir, mais en réalité, c'est pas qu'il va creuser, c'est juste que le pieu, il était déjà planté, et puis il pourra le lever. Beth Hillel omrim, mais Beth Hillel enseigne, lo ishrot, il fera pas la shrita. A priori, je ne veux pas que tu fasses ça. Le ishrot, et la imken ayalo afar mouchan mi beod yom. Tu ne feras la shrita que si tu avais de la terre qui était déjà prête depuis avant Yom Tov, qui n'avait pas d'interdit de moukhté, que tu l'as déjà désigné. Vous savez qu'il y a un interdit de moukhté dans Shabbat comme dans Yom Tov. C'est assez complexe, c'est un très vaste sujet, mais que de la terre, une pierre du sol, vous n'avez pas le droit de la toucher parce qu'elle est mouktée. Elle n'a pas été, elle n'est pas, elle a pas été, elle n'est pas entrée dans le cadre des objets que vous allez utiliser pendant Shabbat de Yom Tov. Il faut nécessairement désigner les choses, les mettre de côté, les préparer pour tout ce qui est des choses qui n'ont pas de statut d'ustensile. Donc c'est mouktée, et donc Beth Shammai te dit, et Beth Hillel te dit, si tu as de la terre que tu as déjà préparée, tu auras le droit de faire. Le simple fait d'avoir planté le pieu, ça ne désigne pas encore la terre. Par contre, Umodim, mais tout le monde est d'accord que chez Im Shachat, que si il a déjà fait la Shrita, chez Arpor Badeker Vichase, qui pourra, t'as déjà fait la Shrita, le sang est déjà par terre, la même bête Hillel va te permettre de dire, écoute, il vaut mieux te permettre, si le pieu il est déjà planté dans cette terre qui est déjà moulue, molle, effritée, alors là, je te permettrai de le lever pour recouvrir, d'accord? Et tout ça, c'est pourquoi? Parce que chez Efer Kira Mouchanou, alors en fait, il ne faut pas dire comme ça, si on parle d'un autre sujet, il faut dire Ve Efer Kira Mouchanou, un autre sujet à part ça. Sache que le Mishnah vient t'apprendre. À part ça, si tu n'as pas de terre qui a été préparée, mais tu as autre chose, tu as de la cendre dans ton four depuis avant Yom Tov. Tu as de la cendre, sache qu'avec la cendre, tu peux aussi recouvrir. La Mishnah vient t'enseigner une solution technique, pratique. C'est quasiment sûr que tu auras de la cendre avant Shabbat, avant Yom Tov. Tu as fait cuire du pain, c'est sûr que tu as. Il y a là-bas des cendres. Va là-bas dans les cendres et prends de la cendre parce que la cendre de ton four, elle est apte à. Elle est bien sûr bonne pour recouvrir la maison de Kizoyadaïm. Mais même, elle n'est pas mouktée parce que c'est sûr que dans ton intention, tu l'utilises, ils utilisaient les cendres pour recouvrir, comme je l'ai dit, pour recouvrir toutes sortes de saletés qui pouvaient traîner ou quoi que ce soit, eh bien, ils utilisaient ces cendres. Donc, du coup, les cendres que tu as dans ton four, tu as une intention tacite de les utiliser en cas de nécessité, en l'occurrence, tu as la nécessité devant toi, tu as fait la shrita, tu as le droit d'aller recouvrir. Donc, il faut lire en fait VFR Kira Mokhanou. C'est plus en rapport avec le début de la phrase. La phrase, elle m'a dit, tout d'abord, Beth Shammai, Beth Hillel, tout le monde est d'accord que si toutefois tu as déjà fait la shrita, tu pourras lever le pieu, premièrement. Et deuxièmement, à part ça, même lorsque tu n'as pas encore fait la shrita, on a une solution simple pour toi, c'est d'aller au four pour prendre la cendre qui date d'hier. Par contre, la cendre d'aujourd'hui, alors là, c'est un peu délicat. Soit, pendant Yom Tov, on a le droit aussi de faire cuire du pain. Tu as fait cuire du pain, tu as récupéré des cendres. Est-ce que tu peux utiliser cette cendre pendant Yom Tov pour aller recouvrir, là, tu n'auras plus le droit de le faire. Pourquoi? Parce que la cendre de Yom Tov, elle n'existait pas auparavant, elle a un problème de mouxé de nouveau, elle est née pendant Yom Tov. Au début, c'était une bûche de bois, aujourd'hui, c'est devenu de la cendre, c'est plus la suite logique, c'est plus le même objet. Cet objet-là, maintenant, il n'est pas, il est mouxé, il n'a pas été désigné pour être utilisé, tu n'auras plus le droit de l'utiliser. Sauf si toutefois, il y a encore une autre éventualité que le bartender mentionne, c'est s'il est encore chaud, que tu peux encore le faire cuire. L'utiliser pour faire cuire un œuf, par exemple, dans les cendres qui sont encore pas chaudes, tu peux mettre un œuf dedans, il va griller. Et dans ce cas-là, tu as le droit d'utiliser la cendre chaude même pour recouvrir ton sang, d'accord? Le sang du chayavov, de la volaille ou de l'animal. Et c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Selah.